Alors, bonjour à tous, bienvenue pour ce tout nouvel épisode sur Cities Skyline. Alors, aujourd'hui, eh ben, pour moi, il y a quand même quelques heures entre. Alors, je vais mettre sur pause parce que, comme vous pouvez le voir, nous sommes à 34 000, donc on va bientôt passer à 35 000. On est à 300 000 niveau argent, donc ça, on est plutôt bien. Alors, j'ai essayé de régler le problème ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai en fait mis un feu qui est en fait chronométré. Et donc en fait je fais 20 secondes je crois ici, puis après 10 secondes par là, et puis 10 secondes tous les passages pour piétons. Donc voilà, alors je crois que ça va se régler petit à petit. Ça se règle pas en 2 secondes, mais en même temps j'avais pas envie non plus de laisser tourner pour tourner, parce que sinon on allait passer la barre des 36 000. Et comme c'est la prochaine étape, ben, voilà. Je voulais quand même qu'on fasse ça ensemble. Alors, comme vous pouvez le voir aussi, j'ai relancé le jeu. Et malheureusement, on n'a plus aucun arbre. Alors, je crois que c'est un gros bug que j'ai. Donc, je me suis renseigné. Apparemment, c'est vraiment un bug vraiment dans le jeu avec un des mods que j'ai. Donc, pour le moment, on va pas rajouter des arbres. On en rajoutera par la suite. Mais voilà, pour le moment, on va pas faire ça parce que ça ne marche pas. Donc l'objectif aujourd'hui, c'était de se faire quand même pas mal de, allez, de bien s'occuper de nos, allez, de notre université. Alors on va une fois voir. Est-ce que voilà, je peux mettre ça là, c'est parfait. Ça va être juste bien. Alors je crois, voilà. Malheureusement, il n'y avait pas encore assez. Ok, parfait. Alors, on a déjà du coup ici tout ceci. Alors, qu'est-ce qu'on va ajouter à notre université? Un dortoir. On va rajouter des dortoirs, clairement. On va rajouter ça comme ça. Pour du coup. On va voir comment on va faire, hein. En fait, j'hésite. On va une fois voir. Pop-pop-pop-pom. Je crois que je vais garder en une seule voie. Alors, comme ça se passe. Voyez, si je fais donc comme ça, et puis ici. Ah, on a la place pour deux, hein. On a la place pour deux, donc. Ce qu'on peut essayer de voir, c'est. Ça en prend combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va dire. Donc si je fais comme ça, et normalement comme ça, est-ce que. Ah ouais, on est large. On est large, mais c'est parce qu'à la base j'ai pas fait 7. Ou si. On va être comme ça sert à rien. Bon, j'ai de l'argent, donc je peux m'amuser à dépenser si je veux. Ok, bref. Ça veut dire que ici, on va pouvoir s'amuser à les poser, donc ça c'est bien. C'est pas parfaitement symétrique. Est-ce qu'on f... ouais, on va s'amuser à tout faire symétrique. Alors, si possible, parce que. Aïe, aïe, aïe. Et c'est pas facile, hein, de faire des choses comme ça quand c'est. Un peu mis en mode YOLO. En fait, le plus gros problème, c'est que bah, du coup, ça s'adapte pas par rapport au. Allez. Ça s'adapte que à la route, mais pas par rapport au quadrillage. Et donc, ça, c'est assez embêtant. Alors, on a donc ici notre petit quartier.
Donc on est à 1000, 2000, 3000 étudiants. Alors on va rajouter encore là du coup. Vais vraiment essayer de faire plus ou moins parce que c'est vraiment compliqué, hein. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même un peu plus tirer ici. On va. Tirer comme ça, voilà. On va tirer, tourner tout ça, on va supprimer ici. Du coup, on va juste un peu agrandir la chose. Voilà. Voilà, on a notre quartier un peu résidentiel ici. C'est parfait. Donc, est-ce qu'on salle d'études, l'attractivité du campus? Ok, alors on va attirer nos chers étudiants, on va les attirer en les attirant ici. Parfait. Alors la conciergerie, les agents d'entretien, etc. On va les mettre là. Voilà. Club de foot en salle, c'est dans la zone universitaire. Donc on va laisser ça, genre par ici. Alors je veux juste tester un truc parce que on va sûrement. C'est bon. Parfait. J'en profite, hein, on avait de l'argent, donc je peux en profiter. Atteint réputation, université connue. Ok, donc pour le moment c'est tout ce qu'on pouvait rajouter. Ce qui est déjà plutôt pas mal, hein. On va pas se mentir. C'est déjà sympathique. Alors ils vont avoir des problèmes d'eau. Je suppose. Voilà. On parle au dos, niveau usé, on a du mal, hein. On va reprendre ça. Alors, il y a un problème de police. Ouais, mais la police, normalement, ça devrait se régler rapidement. Ok. Est-ce qu'on attire déjà des étudiants? On a déjà 1000 étudiants dans l'université, c'est déjà bien. Ah ouais, c'est 300, c'est pas 500. Oui. Pas grave. C'est un détail. Donc, où est-ce qu'on en était? Donc, je voulais faire ça. Oui, les eaux. Les eaux usées. On va prendre du coup, si on peut. Quand on en met deux ou quoi? Autant en profiter, on a de l'argent, autant en profiter. Par contre, niveau haut, j'ai l'impression qu'on est en train de fluctuer un peu là. Ah, et j'ai pas été voir, j'ai oublié. Faut que je vais le noter, parce que sinon. Attends, je note. Alors, City Skyline, 2 points. Voir. Arriver. Voilà. Parfait. Ah ben regardez ici, bonne nouvelle, on n'a presque plus rien là. Ça a l'air de bien se passer. Alors, on a quand même ici un bon gros ralentissement. Mais pour cela, alors d'abord je voulais le faire ici, voilà. Parce que j'ai en fait augmenté énormément, vous voyez, la demande ici explose. Mais donc en fait on ralentit toute la route. Donc j'ai envie de tester, de mettre. Donc oui, pour le moment, je laisse de l'autre côté, je laisse la route se développer. On va voir comment ça se passe, mais j'aimerais bien justement. D'accord. J'aimerais justement voir comment va évoluer le tout. La ville, je parle de l'université, évidemment. Alors, je vais juste enlever le feu, qui n'est pour moi pas utile. Ok.
Voilà. Alors, est-ce que les bus... Je vais également mettre ça ici parce que le problème se trouve également là. Alors je ne les mets pas ici parce qu'avec les rails de tram, je ne sais pas s'il existe. Est-ce qu'il existe des rails de tram avec des rails de bus? Je ne crois pas. Hein. Non. On va une fois voir si ça se passe bien. L'idée, c'est normalement, ils prennent le... Ils devraient prendre ça. Hein. Mais il le prend pas. Est-ce que c'est parce que... Non. Même pas. Allez, quoi. Bus et taxi, normalement, vous êtes censé aller là. Hein. On va voir, peut-être que ça va être réglé après. Dans le sens où ils ont déjà prévu un trajet et que c'est une fois que le trajet va être... Ah ouais, ok. C'est le bordel. On est d'accord. Mais regardez-moi ce monde, quoi. Les tailles de la ligne. 150 personnes, on a 347 ici qui attendent, quoi. Et on est où là? Il y a le campus universitaire ici. Ok. Ça aussi, on va améliorer du coup. Alors, j'ose pas toucher là parce que... Ah ouais, ben là, je peux faire ça. Mais après, je vais essayer comme ça parce que j'ai peur de tout modifier. Alors, bonne nouvelle, on est à 36 000, donc c'est-à-dire qu'on a une centrale nucléaire, centrale d'énergie thermique des mers, café flottant et centrale de fret. On a nos bateaux. Et qui dit bateau, dit également... bateau. Voilà. Tout simplement. Ok. On a les bateaux. On va pouvoir commencer à développer tout ça. Ce serait cool. J'aimerais quand même voir un peu comment se passe tout ici parce que c'est quand même le bordel. Hein. Et franchement, on va enlever ce feu. Alors, on va tester. On va dire que toi, tu vas par là. Toi, tu vas là. Et toi, tu vas tout droit. Et toi, tu viens ici. Et toi, tu vas tout droit. Ça, toi, tu vas là. Et toi, tu vas à droite. Mais évidemment, on va quand même remettre le feu parce que c'est le gros bordel sans le feu. Regardez comme il y a un nombre de personnes qui marchent. Au moins, niveau santé, ils sont en bonne santé. Hein. Alors, niveau prison, on a quand même du mal, apparemment. Mais voyez ici, c'est bizarre. Hein. Et si je le déplace là? Attractivité, travaux académiques. Voilà. J'ai un petit lag. J'ai un petit lag. Et j'ai mon chien qui aboie. J'espère qu'on m'entendra pas trop, je suis désolé. Nous sommes le soir et un chat noir ose passer devant sa maison. Donc il aboie hein, comme d'habitude. Normalement, si vous suivez mes vidéos, vous l'entendez presque à chaque vidéo. À chaque vidéo, il veut faire son malin. Alors, travaux académiques, papapapam. Alors, dissertation, études scientifiques. Alors on va faire ça, on va octroyer. Voilà. C'est parfait. Alors, ici on a de nouveau du trafic du coup.
C'est vraiment bizarre. Ah, parce qu'ils veulent tous aller ici, en fait. Ok, donc il y a eux qui passent. Ok, alors... D'accord, vous bloquez tout juste parce que vous voulez passer là. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ces policiers là? Tout ça pour... Attendez, pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas aller par là? Ils sont obligés de tourner. Mais ici, eux sont pas obligés de tourner, ils peuvent aller là s'ils veulent. Donc on va dire que... Ils peuvent aller là ou là. Puis là, et puis là. Parfait. En espérant que ça marche parce que... Là, on va juste y retirer tout droit. Hein? Sinon, ils vont encore faire demi-tour n'importe où. Ok. Bon, je suis vraiment désolé pour mon chien. J'espère que les bus, ça va se régler parce que si c'est juste comme ça... Oui, après, ça roule bien, hein. Après, c'est un bus, puis un autre, etc. Mais... Ah, ou alors c'est ici qu'ils vont commencer à se départager, peut-être. C'est peut-être ça. Ah ouais, non, on a les bus ici. En fait, il y a juste trop de bus sur le trajet. Non, étudiants, 111, 81... Bizarre. Au moins, ça on va l'enlever, parce que de toute façon tout ça est connecté. Et ici c'est nouveau, la criminalité elle est élevée, c'est très bizarre quoi. On a un commissariat, mais genre à côté. Bref, on va essayer de... on va commencer à faire notre petite zone. Alors je propose qu'on essaie de développer un peu la zone ici, pour que prochaine vidéo, on se fasse un vrai port. Un bon gros port. À voir comment est-ce qu'on va le faire aussi. Dans l'idée de... attendez. On va il faut avoir juste... Pouvoir prévoir, hein. Ok, les bateaux sont là. Donc en fait, ce qui serait cool, on va une fois voir. La chat zone. Ah ouais, c'est ça. Soit c'est là, soit c'est là. Mais donc... En soi, ce serait vachement cool ici de se faire une belle grosse zone. On va se faire ça. Et vous savez quoi? Je vais acheter la zone. Comme ça, je suis sûr. Sûr. Exactement, j'ai dit sûr. Voilà, comme ça. Et là, on se fera une belle... Ah ouais, c'est pas plat. C'est pas grave. On s'adaptera. On va se faire une belle grosse zone avec un beau bateau. Enfin, un beau bateau. Avec des bateaux, avec des futurs trains. On a débloqué les trains. Oh, on a débloqué les trains. Et en plus, du coup, on a le terminal du train de marchandises. Mais... Donc, on va essayer de faire ça au prochain épisode. Alors, si vous avez peut-être pas vu, et alors, ouais, ça c'est ça va. On a eu ici en fait pendant que moi j'étais hors vidéo, on a eu un petit problème. Voilà, on a eu failli avoir un énorme souci, mais heureusement ça s'est réglé. Alors là, c'est le gros bordel. Hein. Et c'est le bordel pourquoi? À cause des bus de nouveau. Hein. Aïe 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 aïe. On va réduire le nombre de nos bus. C'est... Il y a un souci quelque part, mais... 270%... Ouais, mais vous voyez le nombre de personnes qui attendent. Et on a une capacité que de 30, quoi. Oh. Allez. On va réduire les bus. Il faut que je réduise mes bus parce que c'est ça qui crée un énorme souci en fait. Donc on va faire ça, on va retourner à genre 150%. Voilà, 146. Ici on a 54 passagers, je crois que là il faut même pas améliorer, il n'y a personne. Ok.
pour cette ligne-ci. 150. Voilà. Et en fait, le plus gros, c'est celui-ci. Trajet en voiture été, 55%. Prochain véhicule dans... Ok. Ah, 75 bus, ah oui. Ok. Voilà, on est à 169%. Il faut voir comment ça va se passer. Vu qu'on en supprime beaucoup, ça va aussi... Ça va peut-être pousser les gens à avoir un autre type de transport en commun. J'aimerais bien une fois voir, est-ce qu'on peut voir où vont ces gens-ci? Si je mets transport public, je vais... Ouais, non. Ok, une personne de l'arrêt ici. Je peux savoir jusqu'où il va. Ok, je peux pas savoir. D'accord, mais donc ça veut dire qu'ils vont quelque part ici. Donc la question c'est est-ce qu'on devrait avoir... Ha! Et je crois qu'on va se faire ça. Moi j'aime bien les monorails. Les monorails restent quand même... Je sais pas, je trouve ça vraiment cool. Donc je serais curieux de tester une fois les monorails, quitte à faire comme ça et puis genre traverser aussi là. Et s'arrêter ici ou... Ou une fois voir si on peut pas mettre notre gars. Mais ça, on verra bien pour le prochain épisode, hein, parce qu'on est déjà à la fin. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo. Alors, je suis désolé pour le problème des arbres. Je vais essayer de les régler, je vais essayer de régler ça pour enfin, prochain épisode ou celui d'après. Je vais également essayer de voir pour essayer d'améliorer peut-être un peu notre source d'eau ici. Voir si on peut, genre, accélérer ou comment ça se présente, tout simplement. Et donc voilà, merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Allez, ciao!